Pour demain, on devra retenir que c'est la journée d'inhumation. Il y aura un hommage académique au niveau de l'université de Kinshasa devant les bâtiments administratifs. Et une messe sera dite sur place par le cardinal archevêque de Kinshasa. Ce sera donc autour de 10h et c'est en début d'après-midi que Monseigneur Tarsis Tshibangu Tshishiku sera inhumé. Et s'il sera inhumé au même endroit, à l'université de Kinshasa. Mais Giscard Koussema, il y avait un grand débat justement autour de l'endroit, de la place où devrait être inhumé Monseigneur Tarsis Tshibangu Tshishiku. Finalement, la décision a été, disons, le compromis a été trouvé au sujet de l'endroit parce qu'il a été, vous le savez, évêque émérite de diocèse de Mbujimayi. On pouvait aussi l'inhumer à Mbujimayi, tout comme à Lubumbashi, où il a été ordonné prêtre, parmi les 6 prêtres congolais en son temps. Et finalement, c'est derrière l'Unikin où il sera inhumé. Effectivement, les lieux de l'inhumation ont fait l'objet d'âpres discussions. Et finalement, l'option qui a été prise, c'est cette option qui met un peu tout le monde d'accord. Parce que, cher Oscar, en tant qu'évêque, selon la tradition, de l'église catholique, un évêque est inhumé dans sa paroisse. Lui a été évêque, mais il est passé par plusieurs diocèses. Aujourd'hui, avec raison, les diocèses de Mbujimayi, dont il est évêque émérite, le réclament aussi parce qu'il y a une crypte, donc une partie réservée à la cathédrale de Mbujimayi pour inhumer ses évêques. Donc, il y a l'option Mbujimayi, il y a aussi l'option Kinshasa, parce qu'il est un des évêques auxiliaires de Kinshasa. Mais sa paroisse symbolique de Kipushi dans le Katanga également le réclame. Et finalement, il avait aussi une grande résidence qui pouvait servir de lieu de son sépulcre. Et finalement, l'option qui a été prise, c'est celle de l'université de Kinshasa, derrière l'église Notre-Dame de la Sagesse. Pourquoi ? Parce qu'il aura marqué toute sa vie l'université du Zaïre, l'UNASA, dont il est resté le président du conseil d'administration. Il a été le tout premier recteur, vous l'avez dit, après les débats de Colomb, il a été le tout premier recteur congolais de l'université de Lovanium de 67 à 71, recteur de l'UNASA, aujourd'hui Unikin, de 71 à 1981. Et il est resté président du conseil d'administration. Finalement, toute sa vie, il aura marqué l'université congolaise. Voilà pourquoi cette option médiane a été trouvée de riger un sépulcre juste derrière Notre-Dame de Sagesse. Et d'ailleurs, c'est sur ces lieux-là, c'est à l'esplanade de la paroisse Notre-Dame de la Sagesse que le dernier hommage religieux lui sera rendu demain par le prélat de Kinshasa, présidé par le cardinal archevêque Fridolin Ambongo Besungu, devant les universitaires et tout le monde. Et c'est là donc qu'il sera inhumé. Donc voilà le programme, cher Oscar. Oui, peut-être d'autres détails en termes de programme. Giscard Koussema, tout à l'heure donc nous allons assister à l'arrivée au palais du peuple de son excellence Monsieur le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et suivi de l'accueil, et va s'en suivre le dépôt de couronne de fleurs ainsi que de l'installation, n'est-ce pas, des officiels, hommage au nom de la communauté scientifique et académique par l'honorable Kaumba Lufunda Samajiku Prince, sénateur, professeur ordinaire et ancien recteur de l'université de Lubumbashi. Et puis suivra la lecture de l'oraison funèbre par son excellence Monseigneur, par son excellence Monsieur le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi. Suivra le message du président de la conférence épiscopale nationale du Congo, un message qui sera lu par Monseigneur Marcel Outembi, et les mots de remerciement de la famille va clore justement cette cérémonie d'hommage officielle présidée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je ne suis pas seul, Mamie Lela, Charlotte Kabanga, avec elle donc nous allons vous retransmettre, vous commenter
cet événement douloureux parce que la RDC a perdu un homme qui a traversé pratiquement toutes les générations. Avant l'indépendance, il fut parmi les 6 premiers prêtres noirs congolais à être ordonné, n'est-ce pas, avant l'indépendance. Et voilà, aujourd'hui, il a tiré sa révérence et qu'il aille se reposer en paix, Charlotte. Tasa kila Oscar Mbalkaiji ba lonju ba RTNC nilibo munene mwabe bantumba tulangana bafume kunieku mbwa kuva kudila Tarsis tshibangu tshiku mwepiskopo wakala wantenji wa mbushimayi Tarsis tshibangu tshiku umulala muteka diboku fache mutu padiboku ngacha muja matuku makumi abinchitema angonda tikuni mwibiji chili muchitudina chimwabe umu chidimu tshishala Pinje utuli mchiri mchabini mbibijini makumi ya bini chibiji. Tupaba sanga nyebwa mu palais du peuple. Mulu tandalu nene lwa palais du peuple kuchibweleji. Mwaba usombela bu batoba ntuma kumbu. Wafadiba shiangani nibula ba kufa chibiji lu. Mbatu leje bu ase ndonga muri mshindwe u. Fafika mfumu wajitunga. Ni bamuna mwakwamba mwaku wa musekelelu. Panyi wafa musekelelu ni bateka bilongu. Nifashishe bantu nibikala bakula. Nibanje kwa kula kudi ababa nunku bavobenza mudi mu ma universite mashire shilangana na bakula kudi honorable Kaumba Lufunda udi mukala senateur kabidi mulongo shwa chikunda ni baba la mwaku wadi mushindikisha nawo kudi mena wa rutangile bilonge didi akulu kimukalenga moindo zangi ni nebo kufila mwaku wa episcopo bakongo Je suis le de la conférence épiscopale, je suis le bépiscope de Congo, Monseigneur Marcel Outembi. Je suis le Félix Antoine Sege Chilombo. Je suis le bébé de la conférence épiscopale. Je suis le bébé de la conférence épiscopale. Je suis le bébé de la conférence épiscopale. Mulela kukipushi muja mato mwaku miyabuji na nai, angondu mwinai, chidi mucha chino na mwaku miyastema, mwaku miyastu ni satu. Yeye udi mwaku wakalo, mwaku mulumba, utu tubikila buwani, badila mudima, bashiba ya chilongu. Kumanisha buwani, tarasensa chibangu chishiku, mwuma waku bansa serdosa bafika, mwuma ni mtu mwisambo, mkudi mutambwisha, kulusaka lwa katanga. Yeye, Mufumina, mu province wa Lomami, kalakala ba vamani territoire wa Ngandanjika, kumpala kujomuka sa oriental kadimpindeu mu Lomami. Mulonga bilonge dibiende bya tulasa tupwekele mushondo tumuntu yonso ulonga tulasa. Nkacha mu chilonge di cha Sainte Barbe, mu chikongo cha Sainte Barbe kukipushi. Utoja mu chilimu cha chinu nunka machitema, makumi asatu nchisatu, chinu nunka machitema makumi anani chitanu. Kuvukulonga kabidi petit seminaire angin tulasa tukesa twa diba bene grego latin bivwa mu chilonga je cha ba benedictin kwakana ka kumoba kuvweka bidi mulonga tulasa twa filosofia ni menji mashile shilangana nji noela ka bobu noeni bonso bidi basanganye bwa mu ntenji wa mbujimayo di balongombola ku di monseigneur Bernard Kasanda bavu bamanye monseigneur chibangu chishiku baloni ba mu universite wa Kinshasa bantu bashile shilangana bari bamanye monseigneur chibangu chishiku uri mushiyani bula bampinje bwase myabini dinusangani bwa numuno mushindu wa kumwela lukashi bwa lumumanyu mufiluke uvu mwikala mufeta mapulo mashile shilangana mu myanda ya bisumbu bya nzambi nangana nga myanda ya kuchikunusha bu nzambi bwa nzambi nekubufesha kabidi bakwa bu bantu kadi chana mwakushikishila mukele mukamping didinasha Tudi mwabe ubantu babuni. Nikanjuku file chuko luko yoku di mamu. Ma ile la mami. Udi mwika lepe nda mwabe kwa kufoka kula mwakulu wa dengala. Tumishaima na kudwe mami. Tua sakidila Charlotte Kabanga wa Ambo Impofo. Balandi ba radio television national. Tuzwa mi awa o pae du peuple. Wape pae zeli kose mabongo mululu. Mwabo pesi mbote ya suka na episkopo Tarsise. Chibango Tshishiku, o atika kibiso o suka ya mbule eleki na mibu tuku mwambe na mwambe. Bongo, mpo ya kolela ye, matanga ya mikuwa misato, mibongisa mi awa o engumba chasa, lobi, milulu, miselemaki, mpo ya ba lakisi, biabite obiso, bia nikolo, ba ye, la pesa kie, mbote ya suka,
pelelelo yeko sema bongo lokumu ya suka yeko pesa manaye nakumu nene ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo na mwangu ngamuke ndia kunyata mabele mapaye du peuple wape pai akoka mabongo mululu ya bopesi mbote ya suka na Tarsis Tshibangu Tshiskopon episkopo ya lokumu ya Ngumba Mbujimayi oyo asia kotika biso toyosi amine leki mwa mikolo bongo po ya etali milulu ya mokolo mwalelo babongisi mingi mpenza kotika bobele maboke ya mbe maloba makozala mpenza mingi mingi te pamba te masengai kosale makoloba mapoa oyo etali moto ya mayele moto ya bwanya Tarsis Tshibangu Tshiskopon oti kotika biso esalemaki lobi au musée national kasi lelo bato bakasi mwa babongisi moluba mokolo lelo babongisi mpe bato bayeba kozwa maloba kati na bango honorable Kaumba Lufunda Prince ya azali bongo honorable sénateur mpe professeur lokola nsima na yango maloba makopesama na ministre oyo azali kokamba bitelo bya likolo mwana mboka Moindo Nzangi mpe mpo akosukisa maloba ekopesama na episkopo mokambi Lingomba esangisi bongo baepiskopo baso ya Congo Démocratique totangi wana monseigneur Marcel Utembi bongo nsima na yango maloba makopesama na libota mpe tokopesa bongo nzela na kumu nene na ekolo mpo te akoka bongo kotika biso zambi asengeli bongo kokoba na mosala moye mpo ya monseigneur Tarsis Tshibangu Tshiskopon ya koloba ezali susu te epai kelasi esuka Tshibangu Tshiskopon akomaki oyo nyonso bazwaka mbano diplome nyonso bazwaka na mokili ya se monseigneur Tshibangu Tshiskopon azwaki yango mpe soki totali malamu lelolo tozali kolela solo tata episkopo kasi lokumu ezali kopesa bamingi na moto ya bwanya ezali mingi na olenge akambaka bitelo bya likolo mpe ntina lelo na ndenge atiki kotika biso azalaki mokambi to mpe présent conseil administration ya bitelo biso bya likolo ya Congo atako nzela abongaka nzambe asi abendaki nzoto mpe monseigneur Tarsis Tshibangu Tshiskopon akufi bo président ya conseil d'administration ya bauniversité nyonso ya Congo Démocratique pamba te batikaki kopona moto te esika wana kasi atako na esika aponamaki akulaki bonganga mpo azali sango ya diocèse ya Kipushi soki bato bakoyebaka te azali prêtre ya diocèse ya Kipushi place ya kulaki bonganga omobukoto kama libwa na 15 na mwambe na libwa kuna mboka Kipushi mpe nsima na yango nde bamokomisaki ye tata episkopo molulu mokafu kafu mosalemaki awa Nguma Nsasa ofwa ya Kinshasa fwa ya lokumu oyo ezalaka na bamwambe na basukisa na biloko boyebi mpe nkoi mobali azalaki na kati kuna mobutu seko azalaki moko te Charles Kabanga wango fofo azalaki na batata bakonzi ya Sudan ya Gabon Burkina Faso ya Rwanda donc Tshibangu Tshiskopon aza moto ya monene ya koloba ya kokoma tokoma zute po ye asi akomi nyonso lelo Congo Démocratique onzela ya nkumu nene ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki kopesa lokumu na mosali monene mosali malamu Tarsis Tshibangu Tshiskopon mpe atiki bilembo na mosala moya asali awa mokiba biso mwase tala ntina lelo lokumu ezalaki kopesama na ye ya solo azalaki mupe akulaki mupe akomaki ye tata episkopo akambaki mpe diocese ya Kinshasa bo auxiliaire eleko ya tata Cardinal Malula akomi mpe eveke ya Mbujimayi kasi maso mana soki tosangisi yango kasi mingi ezalaki koloba malelo ezalaki mayele bwanya mosala moya Tshibangu Tshiskopon asali bo moto ya mayele professeur mokambi ya bitelo biso bya likolo kobanda ekelamaki te moko mwalelo Tshibangu Tshiskopon azali kuna lokumu ezalaki kopesama na mayele wana lokumu mpe na kolo nzambe oyo apesaki biso libonza kitoko ya kozwa episkopo ya lokumu na kombo ya Tarsis Tshibangu Tshiskopon mpe yango emonani lelo tala ndenge bakonzi batondi awa baye kopesa ye mbote ya suka pamba te milulu mi emibongisami mpo na ye ezali mikolo misato lobi tobandaki na musée national mpe kuna ministre oyo azali kokamba misala ya recherche scientifique José Panda Kabangu azwaki maloba mpo akopesa na ye lokumu azalaki mpe moko te azingamaki na moninga wa ye ya bitelo bya likolo Moindo Nzangi mpe balakisi baprof assemblée nationale Christophe Mbosoko Diaponga bango bakoki kozanga te pamba te likambo ya lelo
Nous avons mis le Cambouya. Nous avons mis l'épiscopo. Nous avons mis la sango. Nous avons mis le Cambouya. 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 Nous avons et quand il y a le coup, il y a le coup, il y a le souk. Il y a le coup, il y a le coup, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y a le coup, 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 il y a le Wana zali monseigneur Marcel Utembi mokambi ya ngombe 5 episcopo Obaso ya Congo démocratique hier a kozwa maloba c'est ma milulu me mikosalema awa bongo tempsite na mikoni sato kwa kole la tivan tishiko kokite to kole la kaelelo to kole la kaelobi pe to kole la kae seko na seko pona maso asali awa omokili mwase Joseph Oscar Mbalkaish maloba omboka. Merci, je rappelle que nous sommes en direct du Palais du Peuple, notamment dans le hall où a été érigé le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, et tous les corps constitués se sont dirigés pour rendre un dernier hommage à Mgr Tharcisse Tshibangu Tshishiku, qui est décédé, vous le savez, le 29 décembre 2021, à la suite d'une courte maladie, et jusqu'à sa mort, il était président du conseil d'administration des universités et évêque émérite justement du diocèse de Mbujimayi, qui est justement Moussema. Je rappelle qu'il est fils d'Étienne Luambwa Kachijika et de Célestine Tanga le 24 avril 1933. Il est originaire de Bakwa Mulumba, dans l'actuelle province de Lomami. Il était né d'une famille de 8 enfants. D'autres détails. Effectivement, aujourd'hui, si on doit se mettre à lire le parcours de vie, les curriculum vitae de Mgr Tharcisse Tshibangu, on mettrait plusieurs heures. Ce qu'on peut retenir, c'est que s'il est natif de Kipushi, c'est près de Lubumbashi, dans l'actuelle province du Haut-Katanga, originaire lui-même du Kasaï. Il a fait ses écoles primaires au niveau de. Il a fait son école primaire à la paroisse Sainte-Barbe, organisée par la société minière, l'Union minière du Haut-Katanga, c'est à Kipushi même. C'est des années 1939 à 44. Et c'est au niveau de l'école, il a fait l'école secondaire des humanités gréco-latines au petit séminaire de Kapiri Kakanda sous la direction de Père Barnabite de janvier 45 à 1951. Il a fait ses études supérieures philosophiques et théologiques au grand séminaire de Baudouinville, actuellement Moba, de 51 à 57, tenu par des missionnaires d'Afrique, ce qu'on appelle de Père Blanc. Il a fait sa licence en théologie à l'Université Lovanium de Kinshasa de 57 à 61, doctorat en théologie Université catholique de Louvain en Belgique de 61 à 62 avec une thèse sur Melchior Cano et la théologie positive. Mais ce n'est pas tout comme formation, il a un magistère en théologie, agrégation de l'enseignement supérieur de l'Université catholique de Louvain. Mais Mgr Tharcisse Tshibangu est aussi connu comme un scientifique avec à la clé plusieurs publications, des dizaines, et jusqu'à sa mort, il a continué à réfléchir. S'il est une personne aujourd'hui très affligée, c'est bien le chef de la maison civile, Dr Bruno Miteonyenge, un proche parent. Il décrit d'ailleurs Mgr Tharcisse Tshibangu comme un homme surdoué, un évêque magnifique et exceptionnel, un universitaire de premier ordre, un travailleur infatigable, un manager talentueux, ce sont ses propres mots, un homme au cœur sensible et généreux, une intelligence multidisciplinaire et multidimensionnelle. Il était doté d'une mémoire infaillible
qui lui permettait de se rappeler aisément des détails, des noms, des faits, des lieux et des chiffres, mais aussi de leur chronologie. Malgré son âge avancé, Oscar, il est décédé à 4 ou 28 ans, il avait une capacité d'analyse des situations et une force d'anticipation des événements qui n'avait jamais été ébranlée. Et Dr Miteo Ningo, qui fait témoignage de ces personnages, indique qu'il a eu le bonheur et même la grâce de pouvoir l'héberger pendant ses 21 dernières années de vie dans un appartement modeste de 24 mètres carrés. Et donc pendant ses 21 ans, ma famille, c'est ce qu'il écrit, a vécu une grâce spéciale, celle d'accueillir et de loger Son Excellence Monseigneur Tarsis Tshibango Tshishiku, d'abord pendant 9 ans lors de tous ses passages à Kinshasa comme évêque diocésain de Mbujimayi, donc de 2002 à 2009, et ensuite pendant tous ses 12 ans de résidence permanente à Kinshasa comme évêque émérite de Mbujimayi de 2009 à 2021. Alors qu'il avait sa grande maison à seulement quelques mètres de chez lui, et donc tout ça on est dans les quartiers Rikini, hein, commune de Lemba, avec toutes les commodités et tout le grand espace. Voilà. Oui. Oui, il y a une forte communauté religieuse, effectivement, comme on le sent sur ces images. Hein. Une forte communauté religieuse venue de Mbujimayi, où il était évêque, qui est ici de prêtres séculiers, des prêtres séculiers, des religieuses, des religieux, sont ici pour rendre un dernier hommage à cet illustre personnage qui aura marqué le diocèse de Mbujimayi. Nous l'avions dit tout à l'heure que le débat était houleux quant au choix du lieu du sépulcre, et finalement c'est la paroisse Notre-Dame de la Sagesse qui a été retenue, alors que Mbujimayi attendait accueillir son évêque pour lui trouver une place dans la crypte. Aujourd'hui, les cathédrales catholiques sont aussi des cryptes. En fait, il y a une partie consacrée à l'inhumation. Cela fait partie d'une grande tradition religieuse. Lorsque vous allez dans l'histoire de l'Église catholique, il y a eu un moment où le prêtre était malmené. Et c'est alors que la décision avait été prise de pouvoir les inhumer pour les protéger contre les méchants, de les inhumer au sein même des églises à travers de cryptes aménagées un peu partout. Et c'est une tradition qui est restée aujourd'hui dans chaque cathédrale. Il y a une partie crypte qui y est réservée. C'est le cas ici à la cathédrale Notre-Dame de Lingwala où aux trois évêques, trois cardinaux d'ailleurs sont déjà inhumé, on citera le cardinal Malula, le cardinal Echaou et puis le tout dernier, le cardinal Laurent Monsengo Passigna. Et c'est une tradition, surtout à l'intérieur du pays, d'organiser des cryptes. Donc, Monseigneur Tarsis Tshibango, nous disions, a passé ses 21 dernières années dans cette famille de Dr Bruno Miteo Nyenge, un proche parent. Aujourd'hui très affligé, et il fait un témoignage inédit sur le personnage et surtout sur les 20 dernières années, parce que l'ayant logé chez lui. Donc c'est une chance pour la République, une chance pour la communauté scientifique, mais une chance aussi pour ses parents, pour sa famille. C'est donc ce personnage multidimensionnel à qui la nation entière rend hommage ici. Alors, d'ici quelques instants, la dépouille mortelle de l'illustre disparu, mais signale-t-on, va faire son entrée ici et sera exposée dans les halls du palais du peuple pour cette inhumation. Une dérogation a été accordée pour organiser cette cérémonie d'hommage qui sera très sobre, avec un public réduit et tout en respectant les mesures barrières. Le président de la République a aménagé son temps pour se recueillir également devant cet illustre personnage. La dernière rencontre publique entre les deux personnages remonte du temps des consultations nationales. Monseigneur Tarsis Tshibango, qui ne sort pas beaucoup, avait fait les déplacements ce jour-là.
vêtu dans sa toge de professeur. Il était venu jusqu'au palais de la nation. Il avait rencontré, encouragé les présidents de la République. C'était sa dernière apparition publique. Mais les deux personnages qui se connaissent bien se fréquentaient également en privé. Et voilà donc ces personnages à qui la nation rend hommage aujourd'hui avec une présence nombreuse ici de religieuses et religieux, des laïcs catholiques, des laïcs mais aussi des anonymes ici au palais du peuple à Kinshasa. Oui, la cérémonie d'hommage continue ici au palais du peuple dans la commune de Lingwala. Dans la foulée, je pense que le réalisateur va revenir sur Mamou National Tchalamwana, qui est dans ce hall aussi, qui est venu rendre un dernier hommage justement à Monseigneur Tarsis Tshibangu Tshijeku, qui est mort à l'âge de 88 ans. Jusqu'à sa mort, il était, voilà, Mamou National Tchalamwana. Elle est là, elle est venue rendre un dernier hommage à Tarsis Tshibangu Tshijeku, qu'elle a personnellement connu de son vivant. Voilà. Parce que Tchalamwana est du diocèse de Kananga. Elle a beaucoup côtoyé justement Monseigneur Tarsis Tshibangu Tshijeku, qui est un homme prolixe. Vous avez suivi sa brève biographie. Et parmi la devise de Monseigneur Tarsis Tshibangu Tshijeku figure cette célèbre phrase: va au large, duc in altum, tiré du latin justement, dans Luc chapitre 5, le verset 4. Va au large, ce fut la devise de Monseigneur Tarsis Tshibangu Tshijeku, une devise qui a résumé la plénitude de toute sa vie, un homme de foi, également un homme de prière, pasteur infatigable, sensible et proche des chrétiens. Monseigneur Tarsis Tshibangu Tshijeku avait une fine capacité organisationnelle, visionnaire perspicace, travailleur acharné, hein, le souci de la qualité et de la perfection, toujours soucieux de la formation de la jeunesse. Tshibangu Tshijeku était un scientifique hors pair, chercheur éveillé, toujours entouré de livres et de volumes, écrivain gardant la force de la plume jusque dans ses vieux jours. Tarsis Tshibangu Tshijeku reste donc pour les Congolais une inspiration, une énergie de tout un chacun, toujours avec sa force d'aller au large. Tarsis Tshibangu a touché beaucoup de vies, il a développé l'homme. Maintenant il est parti, je pense que tous les Congolais devront lui dire: Seigneur, tu m'avais donné 5 talents, voici 5 autres talents que j'ai gardés. Et voilà, il a fructifié les talents que Dieu a placés en lui. Il a mis ça au service de la société. Il a mis ça au service de la science, de l'université, parce qu'il est parmi les pionniers, n'est-ce pas, les pionniers fondateurs des universités en République démocratique du Congo. Nous l'avons dit, il a été premier recteur congolais. Et là, vous apercevez les recteurs de l'Académie des Beaux-Arts et d'autres personnalités qui sont venues ici rendre un dernier hommage à Tarsis Tshibangu Tshijeku, qui a été recteur, le premier recteur congolais de l'Université de l'Ovanium, donc l'actuelle Université de Kinshasa. Vous voyez, après le départ de Luc Gillon, c'est de 67 à 71. Il a été recteur de l'UNASA, n'est-ce pas, campus de Lubumbashi, de 71 à 81. Président chancelier des universités de 81 jusqu'à sa mort, membre du jury international du prix UNESCO pour l'enseignement des droits de l'homme depuis 1982,
président de la conférence directeur des universités africaines francophones, AUA, de 69 à 74. Monseigneur Tarsis Chibangu Tshishiku a été cofondateur de l'Institut des hautes études africaines, Center for African Area Studies, CAA de l'Université de Kyoto au Japon, président du Congrès international des africanistes de 74 à 78, président de la Fondation Prospective Africaine. Il était également président du Symposium international de Kinshasa sur l'Afrique et son avenir en 1985. Trois missions universitaires et scientifiques sur invitation du gouvernement japonais en 78, en 86 et 91. Fondateur et directeur général de l'Institut africain d'études prospectives depuis 1989. Fondateur et directeur général du Centre d'études égyptologiques Tchèque Anta Diop. À son actif plusieurs publications. Charlotte Kabanga, donc Monseigneur Tarsis Chibangu Tshishiku, qui a tiré ses révérences à 88 ans. C'est un homme prolixe. Il laisse derrière lui une œuvre inestimable, monumentale, tant sur le plan spirituel, parce qu'il a été un bon pasteur, un bon berger, que sur le plan scientifique, avec une production scientifique inouïe, jusque dans ses vieux jours, la plume d'écrivain ne pouvait pas lui quitter. Voilà, il est parti, mais je sais que derrière lui, il y a d'autres Tarsis Chibangu Tshishiku qui vont naître et qui vont suivre. C'est Charlotte. Toi, c'est que dit Oscar Mbalkaï, je m'en demande pas mon mot. Monseigneur Tarsis Chibangu Tshishiku, moi je dis, mais n'a qu'un mensuel, tu as tout mon acabé du tout. Quand je m'en dis, je m'en dis, je m'en dis, nous avons un bâman serre, un bâman serre, vous avez un grand séminaire Wenda, vous avez un grand séminaire Sainte Bernadette, pour Bordeauxville, pour Moba, pour Tanganyika. Quand vous avez un grand séminaire, vous avez un père blanc, vous avez un missionnaire d'Afrique. Il y a un tamboula, un sacerdoce, un kipouche. Je suis un mukulu, je suis un mukulu. Monseigneur Joseph Floriné, qui vous voulez que la moutambouisha, Monseigneur Chibangu Tshishiku, bon sacerdoce Bouenda, mon vicariat apostolique, Walu Bumbashi, ou le babiglampine Bouane, archidiocèse Walu Bumbashi, qui mouchiki de la puto, Tarsis Chibangu Tshishiku, et Kalonga, Malongenda, la théologie, Nyakushikuluja, Kumania, Nyande Yanzambi, mais vous voulez l'université catholique, Walu Vanu Mumunu, Mouchimenga Chakinchasa, Mouchidi Mouchachin, nunca machite, mais Mokumia Sambombo. Ni mwanda mtekete kimuvi mukala mulonga makumya somo muni satu kimuvi mulonga doktora mufeta diploma jenda ya teologi basi shokulo feta diploma ya teologa ya docteur mu teologi muchiti muchachinonga muchite makumya somo munchitano kwa kanaka kudiba muhesha kabiji ni diba jidiba bigla bwase agregation tambane uje agregé muntu diba pesha njila bwa kulongisha mu bilongizi bya kulu bilongizi bina na bi mwenza kuluvanyu kwa kanaka kujitunga jaba mutandwa bene belge uvumupinga na monseigneur bakole wailunga wakubaka martin bakole wailunga kwa mwaba wenda wa mulomboli chindonji wa universite wa kinshasa babigle service recteur muchidi muchachino nunka machitema makumya samo mbuni chisambom apo muchidi muchachino nunka machitema makumya samo mwanda muteketa chikondi chivubenza chifufu cha bavo balombole université wa Kinshasa mu chikondo cha uva université Lovanium
Charlotte Kabanga, je vois à côté de vous une religieuse, peut-être qui va s'exprimer d'abord en français. Voulez-vous vous présenter? Merci pour la parole que vous m'accordez. Je m'appelle Sœur Constantine Muzinga. Je suis la modératrice de l'Institut séculier Saint-Jean-Baptiste, fondé par Son Excellence Monseigneur Tarsi Tshibangu, Tatu Tarsis. Tatu Narcisse, comment vous l'avez connu? Qu'est-ce qui vous marque aujourd'hui? Il nous a quittés. Quand on cite le nom de Tarsis Tshibangu Tshishiku, ça vous fait penser à quoi? Ça fait évoquer beaucoup de choses parce que tout ce que je suis, c'est Monseigneur Tshibangu. Je suis partie avec lui en Mbujimayi. Et c'est depuis que 22 ans que je suis en Mbujimayi, depuis que je suis entrée à l'Institut séculier Saint-Jean-Baptiste. Il a eu la vision de créer un institut séculier au sein de notre pays, le Congo, et même en Afrique, parce que l'Institut séculier Saint-Jean-Baptiste, c'est le premier institut séculier implanté au Congo et en Afrique. Et il a eu une vision géniale pour que la fille congolaise puisse servir Dieu dans le monde et dans l'Église. C'était une passion pour lui, la vie consacrée séculière alors. Il aimait beaucoup parce que lui-même, il était séculier et il nous a promis à pouvoir vraiment avoir un idéal de notre vie consacrée dans le monde. C'est quoi cet idéal? L'idéal, c'est de vivre dans la cité des hommes, tout en témoignant de Dieu.
Dieu qui n'a pas la nécessité des hommes n'est pas nous différencier avec les autres, mais tout en tenant compte que nous sommes au service de Dieu, nous voulons faire l'expérience avec Dieu, cheminer avec notre Dieu. Et Tatu Chibangu a été une lumière. Il a été une lumière pour nous tailler ce chemin de sanctification et de sainteté. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes ici en direct, ici au Palais du Peuple. Je donne juste un petit mot pour Charlotte. Peut-être qu'il y a une question à Chiluba avant l'arrivée justement du chef de l'État. Ma soeur, vous dites quoi pour le Chiluba? Eh yo, ambile koko bansongo tachiba pour vous balélo. Bwani, kuikala séculière, chidini dimushinga kai. Kuikala séculière, budini mushinga mukol. Bwa lupto eto ba séculière. Ndi mumanya udini mwitaba ndi mumanya chiringenza kuditukuniditoko chene dijinga dia muntu antangila to chene dijinga dia muntu andombo la me ndi mumanya meme nikamudifila bwa mukenji mulenga bwa bantu munkachi mwabu ndi munkachi bwa ningenze mudimu munkachi mwabu ndi fiere bwa vice curier toi ça kidela. Merci beaucoup, nous poursuivons donc ce direct ici au Palais du Peuple pour cette cérémonie d'hommage à Monseigneur Tarsis Chibangu Chishiku, un personnage religieux mais aussi un personnage scientifique. Et parmi les témoignages que nous allons prendre ce matin, c'est lui du professeur Madeleine Kapinga. Professeur, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Nous allons parler de Monseigneur Tarsis Chibangu comme un scientifique. Vous, un scientifique formé, qu'est-ce que vous retenez de lui? Ce que je retiens de Monseigneur Tarsis Chibangu, c'est que c'est Monseigneur en lui-même constitue une vision et une école, je dirais. Il n'avait pas une vision, mais il l'était. Il incarnait une vision. Et cela se remarque très bien dans sa devise qui est Duc in Altum, c'est-à-dire aller au large. Aller au large, effectivement, Monseigneur est allé lui-même au large en fructifiant, en développant tous ses talents, mais aussi il a amené les personnes au large. Et comment vous pensez pérenniser aujourd'hui son œuvre de cet érudit scientifique? Mais justement, c'est de nous mettre sur ses pas, c'est de continuer de poursuivre cette vision-là, celle d'amener toujours plus haut, plus loin, toujours aller en profondeur et ne pas faire les choses de manière superficielle. Et ça, c'est sur le plan scientifique, en étant par exemple exigeant envers nous-mêmes en tant que scientifiques, dans nos productions, dans nos recherches, mais aussi par rapport aux personnes qui nous sont confiées, nos étudiants par exemple, en les amenant à aller toujours plus haut, à la pointe, au sommet, plus haut, et qu'ils soient toujours à mesure de donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais pour donner le meilleur d'eux-mêmes, il faudrait qu'il y ait des gens qui les tirent vraiment, réellement vers le haut, en étant exigeants envers eux. C'est ça. Et si les morts pouvaient vous entendre, que lui diriez-vous aujourd'hui? Merci, voilà, je crois que les choses sont en train de changer, cher Oscar. On voit là l'escorte qui arrive, voilà, les corps qui arrivent ici au Palais du Peuple. Oui, la dépouille mortelle des feux Monseigneur Tarsis Chibangu Chishiku, donc le cortège funèbre de sa dépouille mortelle vient de faire son entrée ici dans l'enceinte du Palais du Peuple dans la commune de Lingwala. Voilà, la consternation est totale. Monseigneur Chibangu Chishiku, qui aujourd'hui rentre dans cet hémicycle, entre dans l'enceinte du Palais du Peuple, cette fois-ci dans un cercueil. C'est lieu, cet endroit qu'il fréquentait de son vivant, en étant debout sur ses pieds. Voilà, c'est le cortège funèbre qui transporte la dépouille mortelle de feu Monseigneur Chibangu Chishiku, qui fait son entrée ici dans l'enceinte du Palais du Peuple dans la commune de Lingwala pour un dernier hommage. Palais du Peuple qui est le siège justement des institutions, n'est-ce pas? Dans la ville, province Kinshasa, siège des institutions. Et les cortèges arrivent.
sous une cadence justement rythmée parce que c'est les deuils. Et voilà, accompagné de la sécurité. Monseigneur Tshibangu Tshishiku, un homme à ne plus présenter en RDC, considérant l'ouvrage immense qu'il a laissé, l'œuvre qu'il a laissé derrière lui. Il est l'un des pionniers justement de la création des universités en RDC. Il fut le premier recteur congolais de l'Université de Novanium. Il est mort président du conseil d'administration des universités de la RDC. Donc, allez-y comprendre, s'il faut être nommé professeur, il faut être nommé chef de travaux, assistant, on doit passer par les conseils des universités. Donc, toutes les universités de la RDC proposent leurs candidats, ils en discutent au niveau du conseil et à des dénominations qui s'en suivent. Voilà, il mérite cet hommage. C'est un hommage mérité pour Feu Monseigneur Tshibangu Tshishiku. C'est toute une nation qui lui rend hommage. C'est tout un pays, des hommages qui seront couronnés, qui vont se joindre à ceux du président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est également attendu ici. Voilà, Monseigneur Outembi, n'est-ce pas, président de la conférence nationale, de la conférence épiscopale nationale du Congo. Il assiste justement à la sortie, on va sortir les corps, n'est-ce pas, les cercueils. De fait, Monseigneur, voilà, Outembi, un cercueil simple, mais pas simpliste, mais simple, mais digne d'un pasteur. Monseigneur Marcel Outembi qui bénit justement le cercueil, donc la dépouille mortelle, avant justement qu'il ne soit placé ici dans les halls du Palais du Peuple où différentes personnalités attendent pour se recueillir. Et vous suivez donc en direct cet événement, malheureux bien sûr, mais un hommage à un illustre personnage. C'est grâce à la RTNC, à la Radio-Télévision Nationale Congolaise, qui est toujours là pour vous servir, la chaîne des grands événements. Vous qui êtes en Boujimaï, vous qui êtes en Gandajika, vous qui avez côtoyé Monseigneur Outembi, vous qui avez côtoyé Monseigneur Tarsis Tshibangu, vous à Kipushi, à Likasi, à Kolozi, partout à travers la République, à Kipushi a été ordonné prêtre parmi les six. Vous nous suivez donc en direct sur la RTNC. C'est des hommages, la cérémonie d'hommage à Monseigneur Tarsis Tshibangu et c'est l'entrée justement dans les halls. Et en guise de saluer la mémoire, pour saluer la mémoire de Monseigneur Tarsis Tshibangu Tshishiku, toute l'assistance se tient debout justement pour saluer cet homme. Cet homme qui a traversé pratiquement toutes les générations. Avant l'indépendance, il fut parmi les premiers licenciés, justement, congolais, avant l'indépendance. Et après l'indépendance, il a été nommé prêtre, n'est-ce pas, ordonné prêtre à Kipushi, dans la province du Haut-Katanga, Mamilela. Yakondo tata episcopo Tarsis Tshibangu Tshishiku au kati ya Palais du Peuple wapepa ye kopesa manaye lokumu ya kafukafu lokumu ya mnene na kumu nene ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bongo na mwangu ngamukene milulu mie mibongisa milelo kwa kopesa mbote ya lokumu ya suka na tata episcopo nde mikobanda sika ande wazayeko ya nabibili bazali bongo kodisa joto ya tata episcopo Tarsis Tshibangu Tshishiku, awa au palais du peuple, et si ka fandi bongo bokondi, ya Congo démocratique, et si ka ba bongi si po akope sa lokumu, na oyo tozae kole la leo, na moussa moulamu asali lelo, tozae kole la Tarsis Tshibangu, pamba te nkolonza ba pesa biso li bonza ya kitoko, awa na Congo démocratique, koza na moto a lokumu, to a mayele lokola Tarsis Tshibangu Tshishiku, pe lelo loye, lokumu zae kope sa wana moussala, na moussala, Salamonene, Mouetar Situbango Sali, Aokate Kolo Abiso,
okati habite ya minene mosala monene pe tiki bilembo lelo loye bana ba Congo démocratique bino baba zeko na biso na kipushi epai wapi akula kibonganga boye bino pe ba ebosami ko mbujimai wa balengela esika kambaki diocèse ya archidiocèse ya mbujimai radio télévision nationale pe sibino penza nzela ya kolanda na boke biboso lokumu loye kumunene ekolo Kesi on tamti sege tuombo ako spesalelo na chibangu tishuku baso boibite eleki mwa mikola suka ya mbula awa tatamu konja ekola utiko saa mubembo mwuntere ya mnene ukati ya bituka biso bia Grand Kasai pe anyataki mamele ya Mbujimayi esika tarsi chibungwa za kibongo eveke episkopo alokumu ya diocese ya Mbujimayi mwa bambule bele pe ole kwe senge kina yeko pema abenda kinzoto ya soro bo monganga bonganga nzambe kasi kasi nao etali mayele maye leta ya biso mburamatari itika kiete te azali kukata motema monsenye chibongo tishiku azaki kukamba bobele lingomba ikzai kutamba ba bitero biso bia nikolo au kate kola biso na lolenge tata episkopo Marcel Utembi waza ibongo mukambi ya lingomba esengisibe episkopo baso ya Congo Democratique na lolenge asibo kubenisa toko likia te na mwangonga moke Dengue bande kwa protocol ba bongsi milume makomolo de kumulana ekolo fixo ntamu tisege chulombo ako ingela awa okati ya paye du peuple toko landa sika manaka lolengi mabongisa mi pamba te uto sango ya liwa ya tata episkopo tarsi chiba otishu bato ba ike penza baze ukabula mawa na ekleze santo katoliko ya solo kasipe na libota ya iye bongo mikomiso na ngonga ya zomi na mwambe ezali kosalba misa ndako ya ye ezwami o quartier rigini baso bayebi ndako ya monseigneur chibango ebombami te ezali kambo ya solo tata episkopo avandi o komini ya lemba quartier rigini motango zomi na motoba pe mikomiso na ngonga ya zomi na mwambe misa ezali kosambela bakuna ntina molimo mwa ye pamba te bayebi bota ya soro bazali na pasi eklesia ya santo katolike ekufeli so mpe ebungi ya soro moto ya lokumu kasi lelo tozali kopesa lokumu Charlotte Kabanga wa ngoi mpofo na pe juska Joseph Oscar Mbalkaije juska kusema lelo tozali kopesa lokumu na mosala kitoko tarsi chibango asali ya mokili mwa se nzambe apesa kili bonza ya mayele monsieur le président de la république Nous allons commencer par le dépôt des gerbes de fleurs qu'on aura à continuer après. Pour l'instant, nous allons inviter le président de l'Assemblée nationale avec tout le bureau à déposer sa gerbe de fleurs. Tokumi sika nanga ya boti maboke ya mbe pe sika protocole et pe si bongo nzela na mukambi ya Assemblée nationale honorable président Christophe Mbosoko Diampwanga elongo na baebanso bazwami ndako ya mosala pote bako kotika ya bango liboke ya mbe oboso ya nzoto ya tata episkopo Chibango Tshishiku Tarsis oyo azali kozwa lelo lokumu ya munene lokumu ya suka ya Congo Démocratique elongo na bakambi banso bakopesa na yo mokomo lelo pamba te mikomisa tomibongisa makipo ya matanga maye lobi bayeko balakisi ya biteo biso bya likolo bamopesaki lokumu au musée national bokambemi ya ministre watali misalami ya biteo bya likolo la paix recherche scientifique pe lelo loye ezali bongo likelemba tata mokonzi ya ekolo ya solo elongo na bakambi ya misala miso bya leta Joseph Oscar Mbalkaije maloba mboka Oui, juste après les bureaux de l'Assemblée nationale, conduits par l'honorable Christophe Mbosoko Diampwanga, c'est au tour maintenant de membres du bureau du Sénat. Je vois là derrière l'honorable Carole Aguito Amela Lomoto, justement qui fait partie du bureau du Sénat, ensemble avec les autres membres. Justement du bureau, c'est au nom de Bahati Lukwebo qui... Exactement, là on voit M. Mundela, il est le premier vice-président du Sénat, accompagné de Mme Carole Aguito Amela. Nous invitons M. le Premier ministre
voilà, merci. Qui vient de représenter donc la Chambre haute du Parlement. Alors, nous allons dire un mot. Voilà, c'est le Premier ministre. Hein. Lui, il vient au nom du gouvernement. Samam Lukonde, qui est Kenge, qui est Jean-Michel, chrétien catholique de Saint-Luc, qui est, vient s'incliner devant la dépouille mortelle de cette illustre disparue. Regardez ces cercueils tout en bois, c'est un symbole. Hein. Il est d'une sobriété qui résume un peu la vie de ce prêt-là. La simplicité, c'est juste un cercueil en bois. On voit dans la délégation gouvernementale le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo. Il y a d'autres membres du gouvernement également. Madame la ministre du Genre qui est passée sur Gisèle Ndaya, qui est passée sur les antennes de la RTNC pour rendre un hommage il y a quelques instants. Exactement, les autres membres du gouvernement qui sont là, qui accompagnent le chef du gouvernement. Il s'incline donc devant l'illustre disparu. Le Conseil supérieur de la magistrature. Les conseils supérieurs de la magistrature avec en tête le président de la Cour constitutionnelle qui est là, la Cour de cassation, mais aussi voilà, les chefs des corps constitués qui viennent pour cet hommage public. Dieudonné Kalouba, professeur Dieudonné Kalouba, président du conseil de la Cour constitutionnelle, mais aussi de la magistrature. Voilà. Voilà, Dieudonné Kalouba, professeur d'université, professeur de droit constitutionnel, en même temps président de la Cour constitutionnelle. De la maison civile du chef de l'État. Et après lui, donc, c'est les chefs de la maison civile du chef de l'État qui a rendu un vibrant hommage à travers un témoignage que vous avez eu décortiqué ici lors de la retransmission en direct. Donc, voilà, ça c'est la maison civile. Docteur Bruno Miteo Nyenge, non seulement en tant que chef, il est là un homme très affligé. De la forêt congolaise exposé ici dans les halls du palais du peuple à Kinshasa pour cette journée de mardi 11 janvier 2021. Nous rappelons qu'aujourd'hui c'est le deuxième jour d'hommage public, des hommages qui ont débuté hier lundi par la communauté scientifique. Aujourd'hui c'est au tour des politiques de rendre hommage à ces prêts-là. Demain, jour de la messe, mais aussi jour de l'inhumation pour clôturer ces deuils des trois jours pour cet homme qui aura marqué la vie de l'université de Kinshasa. Voilà, là c'est le tour du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Muindo Nzangi. Allez-y comprendre pourquoi il vient déposer... Après justement l'étape de membre du gouvernement, lui il conduit tous les corps scientifiques, n'est-ce pas, et académiques des différentes universités, établissements d'enseignement supérieur et universitaire de la RTC, dont Tshibangu était le président, n'est-ce pas, du conseil d'administration des universités de la RDC, c'est jusqu'à sa mort le 29 décembre 2021. Donc Muindo Nzangi, que vous apercevez sur votre petit écran, derrière lui, les recteurs des universités, le personnel scientifique, n'est-ce pas, et académique. Je vois d'ailleurs, derrière Muindo Nzangi, donc la troisième personne après Muindo Nzangi, les recteurs de l'université de Lubumbashi, les professeurs Gilbert Kishiba Fitula, n'est-ce pas, qui a connu personnellement Monseigneur Tshibangu Tshishiku. C'est d'ailleurs avec mort dans l'âme qu'il a effectué le déplacement vers Kinshasa parce qu'il tenait à tout prix de lui rendre un dernier hommage, des hommages mérités à cette illustre personne, Monseigneur Tarsis Tshibangu Tshishiku, qui a passé une partie de sa vie dans l'espace Grand Katanga. Il est né à Kipushi, la cité minière de Kipushi, à la limite avec la Zambie, n'est-ce pas? Il a été ordonné prêtre à Kipushi même, la cité minière de Kipushi,
où il a été ordonné prêtre. Il fut parmi les 6 prêtres, premier prêtre congolais noir ordonné en son temps. Et aujourd'hui, il a tiré sa révérence. Il a passé l'arme à gauche après avoir justement servi les seigneurs, après avoir marqué un temps de consécration, de dévouement, n'est-ce pas, un fervent chrétien. Là, c'est le professeur Kaumba Lufunda Samajiku, n'est-ce pas? Il est sénateur. Il va prendre la parole tout à l'heure, justement, au nom de la communauté scientifique, pour rendre un hommage, justement, à Monseigneur Tarsis Tshibangu Tshishiku, le professeur d'université, recteur des instituts, directeur généraux et recteur des universités sont en train de défiler pour, justement, dire à leur manière un adieu à Tarsis Tshibangu Tshishiku. Joseph Oscar Malkaïj, c'est vrai que nous sommes ici aux obsèques de l'évêque, du prélat catholique Tshibangu Tshishiku, mais on a plus l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus l'hommage qui est rendu à l'intellectuel, à l'homme des sciences qui était Tshibangu Tshishiku. Comment tu expliques ça? C'est tout à fait normal. Doublé de sa casquette, justement, de Monseigneur, hein, des prélats catholiques, Monseigneur Tshibangu Tshishiku a plus travaillé dans les milieux universitaires. Vous le savez, avec Giscard Koussema, nous l'avons dit tantôt, il a été nommé premier recteur, vous le savez, congolais de l'Université de Lovanium. C'était de 67 à 71, premier recteur congolais, après le départ justement de Luc Gillon. Voilà, donc c'est un des pionniers de la création, même de la refondation de l'université congolaise de manière générale. Là, c'est l'abbé Apollinaire Tshibaka, voilà, lui qui n'est pas en toge. Il est recteur de l'université officielle de Mbujimayi. Il a été son secrétaire particulier. Il a passé aux côtés de Monseigneur Tarsis Tshibangu Tshishiku plus de 20 ans. Donc c'est quelqu'un qui l'a motivé, qui l'a même orienté en termes de recherche scientifique. S'il a fait la thèse, il nous l'a confié ici. Sa thèse, c'est parce que Monseigneur Tshibangu l'a orienté. Et aujourd'hui, il est plus que heureux d'avoir côtoyé un homme d'une grande moralité, d'une grande probité intellectuelle, d'une aussi grande probité intellectuelle, Monseigneur Tarsis Tshibangu Tshishiku. Voilà, les hommes des sciences sont en train de défiler pour rendre un hommage justement à Monseigneur Tarsis Tshibangu Tshishiku. C'est avec peine, avec beaucoup de peine dans l'âme, que ces professeurs d'université, ces docteurs, ces chefs de travaux, ces enseignants sont en train de défiler et dire un au revoir, n'est-ce pas, à Monseigneur Tarsis Tshibangu Tshishiku. Notons-le, il a été fondateur et directeur général qui a traversé, dont la renommée a traversé les frontières nationales, n'est-ce pas, reconnu au Japon. Il a été invité par 3 fois dans 3 missions universitaires au Japon, donc en 78, en 86 et en 91. Il est allé à Tokyo, n'est-ce pas, invité par le gouvernement japonais dans 3 missions. Il a été président du Symposium international de Kinshasa sur l'Afrique et son avenir en 1985, n'est-ce pas. Il est auteur de plusieurs ouvrages, de plusieurs réalisations qui restent collées à lui quand on parle de Monseigneur Tarsis Tshibangu Tshishiku. On parle de la conférence des recteurs de l'Université africaine francophone. Membre du bureau de l'Assemblée nationale, conduit par Christophe Kodiampwanga. C'est lui de membre du bureau du Sénat, conduit par le premier vice-président, représentant personnel du président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Les hommages de différentes personnalités, notamment de la famille, des corps constitués, du Conseil supérieur de la magistrature. Et nous attendons l'arrivée du premier citoyen, du président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi et Tshilombo, justement. Et après, justement, ces hommages, je pense que la cérémonie va continuer demain à l'Université de Kinshasa.
et ce sera un hommage, des hommages académiques devant les bâtiments administratifs de l'Université de Kinshasa qui sera suivi donc d'une messe à la paroisse universitaire Notre-Dame, n'est-ce pas, Nodassa, Notre-Dame de la Sagesse, Nodassa, toujours à l'Université de Kinshasa. Mamie, il est là. Pour ceux-là qui viennent nous prendre en cours, Monseigneur Narcisse Tarcisse Chibangu Chichiku est fils de Étienne Luambois Kachi Jika, voilà si j'ai bien prononcé, Étienne Luambois Kachi Kija, et de Célestine Moussaou. Il est né à Kipushi dans la province du Haut-Katanga le 24 avril 1933, originaire de Bakwa-Mulumba dans l'actuelle province de Lopami. Chibango Chichiku est né, il est issu d'une famille de 8 enfants dont lui-même était l'aîné. Donc, voilà, il a été ordonné sous-diacre par Monseigneur Scalé, vicaire apostolique de Lopoville, Kinshasa, dans la paroisse Université Notre-Dame de la Sagesse, là où justement il sera inhumé. Ordonné diacre le 3 mai 1959 par Monseigneur Cornelis, vicaire apostolique d'Elisabethville, actuel Lubumbashi, dans la paroisse Université Notre-Dame de la Sagesse. Ordonné prêtre le 9 août 1959, donc une année avant l'indépendance, par Monseigneur Cornelis, grand séminaire de Mouba, à Kipushi, nommé évêque par le pape Paul VI, sacré évêque auxiliaire de Kinshasa, en décembre 1970, par le cardinal Malula, nommé évêque diocèse de Mbujimaï, d'où il est évêque émérite le 26 novembre 1991 par le pape Jean-Paul II et intronisé le 1er novembre 1992. Accédé à l'éméritat, donc évêque émérite, depuis le 1er août 2009. Donc il est évêque émérite du diocèse de Mbujimaï. Quelles sont les fonctions assumé par Monseigneur Tarcisse Chibangu Chichiku au sein de l'Église congolaise et universelle? Nous allons prendre à titre indicatif quelques fonctions assumées par Monseigneur Tarcisse Chibangu Chichiku. Il a été donc expert officiel. Dimwa kutitu ni bwaku kubanga na wewe unkubeme mangu kubanga fuma jitonganye utukubapenda wabweji munsubu wa parler du peuple pinje Oscar Mbalkaye ou juste comme couleur français. Voilà, là c'est l'entrée du président de la République Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'est-ce pas?